L'élévation du fil à environ 1 mètre ouvre de nouvelles perspectives de travail sur, sous le fil, impossible à réaliser lorsque ce dernier est tendu à quelques dizaines de centimètres du sol. Pour s'asseoir, l'élève choisit de s'accroupir sur son pied d'appel en laissant glisser sa jambe libre le long et sous le fil. Avec les fils scolaires, il est possible de tricher quelque peu et de prendre un appui stabilisateur avec le mollet, le genou ou la cuisse en descendant. Dès que possible, le fil de ferriste saisit devant lui le fil avec la main. Lorsque l'élève travaille sans point d'appui manuel, il utilise la main opposée au pied et compense, contrôle la descente par une forte traction sur ce dernier pour retenir, ralentir la descente du bassin sur le fil. Pour s'asseoir, il convient de se tourner légèrement de biais et de se positionner en amazone, fil en travers sous les deux fesses. Cela reste un peu douloureux. À cet instant, il est aisé de libérer la jambe d'appui en la tendant parallèlement à la première, à l'oblique avant. Assis de biais, sur le fil, bras écartés, l'équilibre est facile même s'il n'est pas confortable.